Je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger. Je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger. Je n'ai plus de place.
Je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger. Je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger. Je ne peux plus me charger. Je n'ai plus de place. Je ne peux plus me charger.
Bonsoir. Plaît-il ? Salut. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Craignez-moi. Je ne peux plus me charger. Oui. Salutations. La mort d'Andariel nous fait espérer une vie nouvelle. Nous pleurons le décès de nos sœurs bien-aimées, mais au moins, nous pouvons reprendre le cours de notre vie. Je vous avais mal jugé. Vous avez l'étoffe d'un héros, digne de la noblesse qui a inspiré votre ordre depuis des générations. Dieu vous garde, mon ami. Thank you.
Bonjour. Je n'ai plus de force. Je ne peux plus me charger. Je ne peux plus me charger. C'est une grande victoire, mais d'autres batailles nous attendent. Je vous prêterai main forte au cours de votre voyage. N'oubliez pas que Diablo est toujours dans le désert, occupé à une mystérieuse quête. Notre cauchemar ne se terminera que lorsque vous trouverez ce qu'il cherche. Bonjour. Top là, mon ami. Oh là, je crois que je vais faire une fête de tous les diables. Bonjour à vous. Je suppose que vous prenez la route de l'Orient. N'hésitez pas à revenir me voir. Enfin, nous pouvons nous réjouir grâce à vous. Pourvu qu'un jour notre ordre retrouve sa gloire passée. Soyez bénis et remerciés, mon ami. La caravane est prête. Nous pouvons partir vers l'Orient en direction de Ludgolen. Vers l'Orient, par-dessus les dunes, à travers le désert des terres brisées. Jour après jour,
Mon compagnon de route me contait son histoire. Ses exploits de guerrier. Il me parlait aussi du terrible secret, du noir fardeau qu'il portait en lui. Notre périple à travers ces étendues arides dura une éternité. Je perdis la notion du temps. Mais il me semblait qu'un grand nuage, sombre et terrifiant, suivait chacun de nos pas. Enfin, du sommet de la dernière dune, nous vîmes notre destination. La belle cité de Lutgolain, sertie tel un joyau par un océan scintillant. Nous établîmes notre camp. Était-ce la douceur du vent des sables ou la lente musique des vagues? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je m'endormis. Et le rêve revint. Mais de toute évidence, celui-là n'était pas le mien. Je recevais la vision d'un homme exceptionnel, le mage Talaracha. Vous étiez là aussi, Tyrael. Je me souviens vous avoir vu dans mon rêve. Les compagnons du mage avaient capturé un terrible démon, Baal, le seigneur de la destruction, qui répandait le mal sur la terre. Ils entreprirent de l'emprisonner au cœur d'une pierre sacrée. Devant l'échec de leurs multiples tentatives, Talaracha se sacrifia. Il décida de faire de son propre corps la prison du démon. Il ordonna à ses compagnons de l'attacher dans une tombe, puis de l'enterrer à 1000 pieds sous le sable pour qu'il pût combattre le démon à tout jamais. Maintenant, tu sais tout, Marius. Le lendemain, nous prîmes le chemin de Lutgolain. Je n'avais pas la moindre idée, alors, des horreurs que j'allais y trouver.